Salut YouTube, ça va ou quoi? Super, t'es pas de rire. Alors on y va, épisode 46 000. On est toujours en train de s'emmerder à mourir, de bien se faire chier la bite. Mais vous inquiétez pas, tout est fait par un professionnel. Voici la team Flair. Flair, F-A-L-R-L-R-L-R. Oh, le Malos qui part. C'est dommage, l'escavarène t'es mort. Une affaire qui roule, n'amasse pas mousse. Quel humour. Voilà, dans ta gueule, tête de bite. Je te prends, je te retourne. Voilà. Alors tout ça, on en a strictement rien à branler. Ah ouais, putain, ils sont là. Ils sont tous là. Dynavolt, bien sûr, grâce à mon tir debout, même si je préfère tirer assis. Je peux le one-shot, et ça c'est excellent. Alors, je profite du début de cette vidéo pour vous lancer un message. Parce qu'en fait, j'avoue, j'ai fait un petit peu le con à la vidéo précédente. J'ai dit un peu des trucs un peu tardivement. Il faut savoir que je vais répéter ce que j'ai dit à la vidéo précédente juste sur une seule chose. Tout d'abord, en effet, mettez des commentaires sur ma chaîne, sur les vidéos, d'accord ? Mettez des commentaires, un max de commentaires, pour bien sûr pour qu'on puisse discuter ensemble, etc. Bref, on s'en fout si ça vous plaît pas, etc. On s'en branle. Donc parlez-moi. Mais surtout, en ce moment-là, je joue à un jeu qui s'appelle Marvel Snap. Donc sur téléphone, mais il est aussi sur Steam. Je suis devenu accro. Je suis vraiment devenu accro à ce jeu. J'ai envie d'en faire une vidéo YouTube. Mais attention, pas en ASMR, d'accord? Juste en vidéo YouTube normale sur un jeu vidéo qui me plaît énormément. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou pas que je fasse ça. Vous me dites clairement, ouais, j'ai envie de voir la vidéo, ouais, j'ai envie de voir la vidéo à Marvel Snap. Voilà, c'est tout. Bon, terminé. Donc voilà, je vous répète ce message en début de vidéo parce qu'à la vidéo précédente, j'ai mis le message plus ou moins à la fin de la vidéo, ça sert à rien. Donc là, je vous le dis en effet, dites-moi tout en commentaire. C'est important pour moi, bien sûr. De savoir ce que vous pensez de moi, c'est logique. Sinon, je me fais pas chier pour rien, quoi. Et ouais, mec, je vais rôder. Je vais récupérer la Pokéball qu'elle a. Et on va tracer notre route ici. Le QG de la Team Flair est juste en face. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Voilà. C'est le lore qui fait ça. C'est fermé à la clé, on n'a pas la clé. Donc on enchaîne notre route. Notre route, si mes souvenirs sont bons, c'est là où on va se battre contre de Lucario, je crois. Pas sûr. Ouais. Je crois que c'est là. On va se battre contre elle. Contre les deux Lucario. Ils sont qu'à niveau 30. Ça va. Grâce à mon tir debout, je pense pouvoir. Ah, c'est pas terrible, hein, dis donc.
mensonge, j'en ai un petit peu rien à foutre, ça ne sert à rien face à un Lucario. Oh le PD. Il est vrai que c'est super efficace aussi les capacités des combats. Je vais tester. J'ai soufflé fort ce micro, je me rends compte que ouais, c'est très très fort. Je suis très très fort en général, de toute façon, dans la règle de tous les jours, je suis quand même très très fort. J'ai plus rien, désolé. C'est comme ça. Ah non, il va envoyer une Kung Fuin. Si mes vieux souvenirs sont bons, il envoie un Kung Fuin. D'accord. Allez, je vais aller me faire foutre du coup. Ouais, je pense. Je vais aller bien me faire foutre. J'ai souvenir d'un Kung Fu ici. Putain, c'était con déjà. Quel connard, c'est pas ce que je voulais faire. Aïe, 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 aïe. Cryptero, Cryptero, il est vol, vol et psy, vol et psy, vol et psy. Un petit Tamagara. Normalement, ça peut bien se passer. D'accord. Ah, super génial. Ça ne m'arrange pas du tout ce que tu fais là. Un petit coup de bélier tête. Ouais, bélier, c'est bien. C'est... Ça réfléchit pas. Tu dégages ta mère en fait. C'est bien casse-couille. Ronflement. Allez, c'est rigolo aussi. Alors. Le Kung Fuin. C'était donc elle qui l'avait, ce Pokémon. Quelle erreur de jugement. Aïe 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 aïe. Forte pomme. C'est pas efficace mais quand même. Oh là là, les dégâts sont insane. Voilà. Donc ça, ça dégage. Là, on aura un abonné pour dire hey, salut, suce ma queue. Ouais, ok, super, j'arrive. Allez.
un linéon. Donc j'envoie directement Skaverin qui a double pied. C'est dur ça. Putain, les souvenirs qui remontent en vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué hein, à ce Pokémon là, mais j'ai des vieux souvenirs qui remontent. Oh la vache, les dégâts sont pas terribles. Hein, alors que lui, on est quand même pas mal quoi. Il veut quand même pas crever. J'ai juré. J'arrive pas. Non, c'est bon. Aïe, les dégâts étaient insane. Hein, le linéon là, il m'a bien pété le cul. J'adorais. J'ai vraiment adoré. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai souvenir que dans la grotte étincelante, c'est pas terrible hein, ce qui se passe comme Pokémon. Il n'y a pas trop de Pokémon intéressants en soi. Il est vrai que Nucleos, je ne l'ai pas souvent joué, mais j'avais encore moins joué Spunk. Donc, je m'arrête sur Spunk pour le Pokémon de Psy. Aïe, enculé. Il est mort de me taper partout. Nucleos, Pokémon de type Stizy. Je suis une testicule. Un testicule. Un testicule. Je suis un testicule. Ici la voix. Richard, tu as buzzé. Oh la vache. Allez. J'étais super content d'avoir affaire avec toi. Regret dur, si je le fous en pole position, je pense que je vais crever en fait. Oh non, c'est fort ça. Que ce soit craquelé et judo crack, c'est beaucoup trop fort. Mais je croyais avoir mes prises. Je me suis planté, je voulais foutre prise million. Quelle erreur de la part du joueur français. C'est un critique. Je me demandais aussi. Putain, je fais mal. Ah non, c'est un critique. Oh, je vais mourir, putain. Ces Pokémon-là, c'est beaucoup trop fort. C'est n'importe quoi. Oh, la moule. Aïe. Oh non, c'est trop fort aussi. Putain, vas-y, je vais me couper une couille. Super. Non, vraiment, c'était super. Ouais, tu sais quoi, nique ta mère, allez, vas-y. Allez, va niquer ta race, fils de pute. J'ai un petit peu énervé, je m'excuse, mais bon. Alors, est-ce que je pense que je suis plus rapide? Est-ce que je pense? Je pense que je suis plus rapide. Voilà, dans ta gueule, enculé. C'est... Ce mec... Non, cette meuf m'a envoyé deux Pokémon beaucoup trop pétés, en fait. Oh, j'ai un vieux repousse tout claqué. Allez, un petit coup de repousse. Là, j'ai pas le choix, faut que je rentre. Bah ouais. Bah ouais, les amis. Salut à tous les amis, c'est David la vache Pokémon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation. Oh putain, je peux m'asseoir. C'est énorme. J'avais jamais vu ça de ma vie. Eh les gars. Oh.
Je ne vais pas acheter de rappel. Je n'ai pas que ça à foutre. L'argent, c'est sacré dans le jeu. Il y a une Pokéball. Oh, oh pardon, excuse-moi, j'ai fait fort. Oh, ceci est un judocraque. Rien que pour lui, je vais prendre ma voix la plus sexy au monde. Je prends la fuite. Donc du coup, il y a une Pokéball, bien sûr, pour une hyperpotion. C'est incroyable d'avoir ça ici, c'est époustouflant. Monsieur Mime, dire qu'il est passé fée, c'est assez fou quand même. Avant il était que psy, maintenant il est passé fée. Je trouve ça incroyable. Enfin incroyable, c'est un grand mot. Mais c'est quand même pas mal. Ça c'était mon bras. Ça pareil. Attendez, je me mute. Merci, épine de fer. Mur de fer. Bah non. Mais putain. Je vais enchaîner roulade pour le style, mais je ne ferai pas grand chose. Encore moins. Avec tout ce qui vient là. Oh, waouh. Mais c'est monstrueux, les gars. Sachez qu'ils étaient de type normal à leur sortie. Et là, ils sont passés fées dans cette version. Pouvez-vous m'expliquer en quoi un chien et un molosse est passé fées? Il n'y a aucune marque, il n'y a rien en lui qui montre qu'il peut être fée. Je ne comprends pas. C'était un grand mystère dans le jeu. On n'arrive pas à comprendre. C'était pas ce que je voulais faire, bah ouais, nique ta mère. Je suis un petit peu énervé, mais vous inquiétez pas, tout est fait par un professionnel. On va faire le tir assis. Voilà, attends ta gueule. On va enchaîner le grand boule avec aussi un tir assis. Intimidation ne me fait rien. Voilà, nique. Escavarian, MVP du match. Pas mal.
J'ai déjà oublié par où vous passez. Ah bah oui, bah forcément. Forcément, c'est par là. Ouais, le hill. Entends, entends. Ça fait déjà 21 minutes qu'on tourne de vidéo. Par contre, un truc de malade, comment le temps passe très vite quand je joue à Pokémon. Mine de rien. C'est quand même pas mal. Est-ce que je peux fuir? Merci beaucoup. Ah d'accord. Je vais pas lui faire grand chose à lui. Je vais pas, je vais strictement rien lui faire en fait. Donc je vais envoyer directement un petit spunk. Alors c'est un petit peu con parce que je suis psy face à un poison. Mais vous inquiétez pas. Tout est calculé. Mais oui, je suis con. Attendez. Mais putain, je confonds. C'est le psy qui est fort face au poison, pas l'inverse. Et c'est l'insecte qui est fort contre le psy. Putain, j'ai du mal. Hein. J'ai un peu de mal. Toutes mes excuses, messieurs, dames. Je suis uniquement trisomique. Oh la ceinture noire, putain, trop fort. Nul à chier. Oh le ténéfique, trop fort. Nul à chier. Ah d'accord. Ça m'énerve, ça, je déteste ce jeu. Juste pour ça en fait. Laissez-nous fuir des combats, putain, ça sert à rien de faire ça. C'est monstrueux ce qui vient de se passer là, c'est un truc de malade. Je prends la fuite comme un lâche. Ah. Merci pour la CT flash. Ça ne me sert strictement à rien, mais merci quand même. Ah, voyez ce quart d'écart là. Il a un caraclé. Alors face à caraclé, je vais envoyer du coup le spunk. Mais il y a moyen qu'à tout moment je meure. Parce que contre caraclé et judo crack, même si tu es un Pokémon psy, tu prends quand même le maxi beat. Parce que ces Pokémon sont de gros fils de pute. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce que je viens de dire, c'est super. En fait, je me rappelle, ce Pokémon ne fait que l'attaque vengeance. Donc même si je prends des potions, il va quand même me tuer. Donc du coup, je n'ai pas le choix. Je vais envoyer... Prismillon. Lui c'est quoi, c'est psy, ténèbres, on sait pas trop ce qui se passe, quoi qu'il arrive, j'ai envie de faire évoluer le plus tôt possible mon croix morale, mais bon, ça tombe longtemps, c'est au niveau 36 qu'il évolue. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, MDR. Est-ce que champ canon c'est plus fort que Vibraco? Je crois pas. 60, ouais c'est pareil, 60, bon bah écoutez, on va continuer à Vibraco, on a une chance de le rendre confus. Ah, d'accord. Mais pas maintenant, ce que je vois. Le jeu n'a pas envie de m'aider. Voilà. Gringolem, pareil, on envoie. Et je vais tousser, je me mute. La maladie me guette.
faire un truc avant de quitter la vidéo. J'ai oublié de faire un truc rapide. Hop, c'était... Il était dégueulasse celui-là. Putain. Nom de Dieu. Et bien voilà. Hop. Et bien écoutez, fin de la vidéo. Comme d'habitude, forcément on s'ennuie, je me répète, mais c'est le cas. C'est ça, les deux Pokémon. On s'emmerde en même temps pour des SMR, ça tombe bien, c'est le but de s'endormir. Et n'hésitez pas à me parler en commentaire, faites ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, partagez, niquez-vous. Et surtout, sortez couvert aussi. Avant de t'aller niquer vos darons, bien sûr. Sur ce, bonne nuit. Comment on quitte la ville déjà là? J'ai déjà oublié. Ah oui, merde.